Voilà les gars, l'aventure c'est l'aventure, Trekwan, on est tous réunis. On est quel jour aujourd'hui? Le 21 juin je pense, il est 8h02. Il y a monsieur Brix, notre pilote. Rosario Greco, notre conseiller en herboristerie. Et café. Et Gérard Deloz, conseiller en itinéraire, donc ça va d'aller les gars, on est prêts. Est-ce qu'il est Brix? L'avant. Voilà les gars, après 20 minutes de marche, on est déjà perdu. Allez, nos copains ils arrivent. Hey, allez. C'est qui ça? C'est pas ma guide de bloc, hein, non. Non, ouais. C'est bien ce que je dis. Après 20 minutes de marche, on est déjà perdu sur le sentier du GR121 alors qu'on devait pas y être. Ça c'est l'aventure les gars, hein. C'est pour le cabinet quoi. Oh. C'est pour le bagno et la douche. Ils sont propres. Nous sommes là sur la petite crête. C'est vachement agréable à voir. Alors, Rosario et moi sommes partagés. Lui, il dit que c'est du vent, moi je dis que c'est du tonnerre. Et Paul, il dit que c'est le dieu de la foudre. Forza, forza! Ciao a tutti! Belli e brutti! Ecco ragazzi, un piccolo caffè bello caldo. Rosario, salute. Salute. Dai, con la sinistra. Yasu. Et même dans les bois, on boit du Bourbon. C'est fou ça. Et nous voilà sortis des bois pour maintenant en plein soleil au milieu des champs. Galerie. Il est binaise, Paul. Au Val de la Chounette. Alors les gars, il est à peu près quelle heure là? 11h20. Très bien, on passe sur un tout petit pont avec le signe. À 5 km de chez nous, jamais vu, inconnu au bataillon. En fait, j'arrive pas à y croire. 15 km de la maison. Et c'est magnifique. C'est magnifique. Rosario est en admiration de la muraille de Chine.
arrive dans la forêt là. Très fréquenté. Une chapelle en trou de serrure. Plus bas, suivez le sol. Alors j'ai eu la bonne idée de manger chinois hier soir et en plus à minuit, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai des petits gargouilles dans le ventre. La bonne idée. Et nous revoilà dans des bouchquettes. Alors, il est à peu près midi 30 ou midi 40. Nous n'avons pas encore ravitaillé, mais cela ne devrait pas tarder. Au menu aujourd'hui, des menus 1-1 de l'armée américaine. Française ? Ah oui, j'ai la régie qui me dit française. Et donc, nous sommes pas très loin du camping de la Dîme. Nous sommes en train d'arriver au point de départ, qui est aussi la ligne d'arrivée. Et franchement, une bonne expérience. Paul, pour une première, qu'est-ce que t'en penses ? C'est la dixième. Qu'est-ce que t'en penses ? On est prêt. Bon, je pense que nous n'aurons pas plus une fournée, deux fournées, piécettes et petites monnaies. On a géré. Super. À la grande ? À la grande. À la prochaine alors ? À la prochaine. Et vite. Oh ben, monsieur Rosa, toujours avec le berlingot à l'arrière et petite pub pour Inter-PC là. C'est parfait, tout s'est bien passé. J'ai une bonne équipe en tout cas, terrible. Ciao a tutti, belli e brutti, à la prochaine ronde.